Bernard Tapie se bat actuellement sur deux fronts, judiciaire et médical, mais il n'y en a qu'un qui occupe les pensées de sa fille Sophie. Via son compte Instagram, la jeune femme de 30 ans a adressé un message pugnace, jeudi 12 avril 2018, relatif au combat que mène son père contre un cancer de l'estomac. Un message de remerciement et un message galvanisant à la fois. Quoi qu'ils se disent, quoi que les gens pensent, nous continuons à nous battre. Merci à ceux qui nous soutiennent, hashtag MidadiSairo, hashtag Pecancé, hashtag Proud, hashtag TTO, hashtag Midad, hashtag MidadiSosom, hashtag Fighting, hashtag Family, a écrit la chanteuse et actrice en légende d'une photo la figurant de dos, au piano, habillée d'une veste en jean customisée. Je suis une tapie. Peut-on y lire, fière proclamation qui s'accompagne de l'effigie de Popeye et d'une de ses fameuses boîtes d'épinards. Portant le nom Tapie. Mon père est un héros, mon père est génial, scande-t-elle encore en hashtag, à fond derrière l'homme d'affaires de 75 ans, également père de Nathalie et Stéphane, fruit de son premier mariage, avec Michel Leyec, et de Laurent, frère de Sophie, issu de son union avec Dominique. Hélas, en fait d'épinards magiques, CIST plutôt de séances de chimiothérapie et d'une lourde opération chirurgicale, pratiquée en janvier 2018, que le traitement de Bernard Tapie est composé. En février dernier, il donnait de ses nouvelles de lui-même, s'exprimant avec beaucoup de lucidité lors d'un entretien téléphonique avec la journaliste Ruth Elkrief pour BFM Télévision. Vous savez, comme on l'appelle, si est-il une longue maladie, disait-il alors. Et donc je suis dans une séquence, là, qui est un peu plus difficile que les autres, puisque vous savez, après 4 mois de chimio, plus une opération très très lourde, des difficultés pour reprendre une vie normale, parce que je ne peux pas manger. Bon là je suis dans une séquence un peu dure, mais qui n'engage pas l'avenir. L'avenir on le connaîtra, à l'issue des derniers examens qui vont être faits pour savoir si les tumeurs cancéreuses reviennent, parce que j'en avais dans l'estomac et dans l'œsophage, et si elles n'ont pas donné de petits bébés. J'ai appris que les médecins souhaitaient me refaire de la chimio, mais je ne suis pas trop pessimiste non plus, parce que ça arrive assez souvent qu'une opération n'élimine pas la totalité des tumeurs. Je suis dans une phase où il y a beaucoup d'incertitudes, et qui est un peu dur à vivre parce que l'opération CIST est vraiment très lourde, mais j'y crois comme un fou, je suis certain que dans quelques mois, ça sera que des mauvais souvenirs.